Bon, alors, on va quand même commencer, malgré que tout le monde ne soit pas encore arrivé. Je vais tout d'abord vous demander à tous de bien vouloir couper, les micros pour qu'on n'ait pas, d'interférences. Donc, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue, à notre visioconférence Déboulonner les statues, effacer ou écrire l'histoire, qui est organisée par l'association Sorbonne pour les Nations Unies, donc l'antenne UNESCO, ici, sur Zoom. L'association a pour but de promouvoir les valeurs des Nations Unies auprès des étudiants par différentes antennes et pôles. Ce soir, c'est notre antenne UNESCO qui a le plaisir de vous proposer cette visioconférence. Elle vise à sensibiliser les étudiants aux valeurs de l'UNESCO en proposant différents événements en lien avec la culture, l'éducation et les sciences. Donc merci infiniment à nos intervenants qui sont ici ce soir malgré les difficultés actuelles qu'on rencontre. Alors, nous souhaitons aborder le thème du déboulonnage des statues, qui est un sujet qui a fortement marqué l'année 2020, alors aussi bien aux États-Unis qu'en France. C'est notamment le décès de George Floyd aux États-Unis le 25 mai 2020 qui a ravivé le débat sur le racisme à l'égard des personnes noires et la question du déboulonnage des statues d'anciens colonisateurs ou trafiquants d'esclaves occupe aujourd'hui le devant de la scène. Dans son discours du 14 juin 2020, Emmanuel Macron tranche le débat en disant « La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire, toutes nos mémoires. » Donc cette phrase de notre président nous interroge sur la posture à adopter face à la question du déboulonnage des statues. Cette question donc, a fortement divisé l'opinion publique. Si certains y voient un renouveau, une symbolique de changement de valeur, beaucoup perçoivent une menace contre le patrimoine, une volonté d'effacer l'histoire par la destruction. Donc, du point de vue historique, le déboulonnage et la destruction des statues, des images, portent une forte symbolique politique. Donc, de la damnatio memoria pratiquée à Rome aux destructions des statues de Staline en Europe de l'Est, une nouvelle charge est associée à ce sujet aujourd'hui, celui de la reconnaissance du passé colonial, de l'intégration des femmes dans l'espace public et de la work culture. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Louis Dupont, enseignant-chercheur spécialisé en géographie culturelle et sociale, en résonance avec l'anthropologie contemporaine. Kharfa Diallo, écrivain, consultant franco-sénégalais et fondateur-directeur de Mémoire et Partage. Bonjour. Bonjour. Et aussi Raquel Ebori, documents en section CNU géographie physique économie régionale et enfin Somboy, créateur d'histoire créée de vulgarisation sur l'histoire coloniale. Salut. Alors, en premier intervenant, nous allons avoir Monsieur Louis Dupont qui va parler, prendre la parole. Donc, le déboulonnage des statues est un sujet qu'on a vu apparaître dans le monde entier depuis quelques années. Qu'il intervienne aux États-Unis suite aux violences policières faites aux personnes noires ou en Afrique du Sud derrière le mouvement d'étudiants dénonçant les vestiges de l'apartheid, c'est un sujet qui est assez complexe et qui rassemble de nombreuses problématiques qu'il convient de dénouer pour mieux les comprendre. Donc, Monsieur Louis Dupont, selon vos travaux sur la woke culture et la cancel culture, quelles sont les raisons de l'apparition du débat sur le déboulonnage des statues ? Merci, Madame Benticos, et aussi merci à vous tous, mais notamment Madame Benticos et Madame Tekaïa, parce que ce sont elles qui m'ont d'abord invité. Donc, merci et merci de cette initiative qui est très, très intéressante. Donc, dans l'esprit de la question que vous me posez, j'ai voulu faire un petit jeu de mots, un déboulonnage des statues et des statues. Donc, en référence avec la woke culture et la cancel culture. Rapidement, je vais essayer de tenir mon temps aussi. Attends un petit peu. Comme ça. Et. Oui. Bon, rapidement, je vais donner une question de perspective un petit peu.
sur les événements actuels. Moi, je ne suis pas historien, donc je ne peux pas tellement répondre, ou je peux toujours avoir un avis sur le fait si on efface ou on écrit l'histoire. Ce que l'on sait quand on est un peu géographe, et bon, il y a toujours une perspective historique, mais c'est que l'histoire se passe quelque part, inévitablement, et ce qui se passe quelque part est une façon d'écrire ou de contribuer à l'écriture de l'histoire. Donc, c'est un vieil adage géographique entre géographie et l'histoire. C'est un peu dans ce sens-là que je le prends. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner un petit peu une question de perspective. Non pas historique, mais justement sur la question. Il y a un événement, et il y a des événements, et un événement qu'on a vu à la télé, il y a des événements dans plusieurs pays qui décrivent quand même un espace. Hein. Ce n'est pas partout, ce n'est pas arrivé en Iran, ce n'est pas arrivé à Abu Dhabi. Je nomme ces espaces pour faire un beau contraste, mais c'est dans un espace, oui, des espaces plutôt qui étaient ou issus ou en partie ou liés à des espaces occidentaux, comme on peut appeler, ou coloniaux pour d'autres aspects. Donc, ça décrit un espace. Et donc, j'ai voulu donner un peu, c'est aussi un phénomène. Le phénomène de déboulonner des statues, bon là il y a l'événement qui nous frappe à notre époque, mais c'est déjà arrivé évidemment dans l'histoire, on peut aller rapidement en rappeler quelques-uns, ne serait-ce que le monde soviétique qui a, toujours moins à mon âge, on a vu déboulonner des centaines et des milliers de statues à la télé en direct. Donc c'est un phénomène social, historique, qui arrive à différentes époques. Bon, c'est ce que je veux faire. Et après présenter les rapports de pouvoir et justement le point principal, la problématique qui est ici. Donc en fait, ma grande question, c'est qu'est-ce que ça nous dit de notre époque? Qu'est-ce que ça nous dit des espaces dans lesquels on vit? Et juste peut-être répondre indirectement, qu'est-ce que ça nous dit un peu de l'histoire, ou de l'histoire en marche, ou de l'histoire en écriture? D'accord. Bon, quand on m'a demandé ça, j'ai dit, bon, comment je vais présenter ça? Et il m'est revenu, moi, je ne suis pas un spécialiste du déboulonnage des statues, mais je me suis dit, bon, avons une perspective sur le phénomène lui-même. Et donc, j'ai pensé à Gabriel Garcia Marquez et les 100 ans de solitude. Bon, je crois que la plupart d'entre vous l'ont lu. Si vous ne l'avez pas lu, vous le lisez ce week-end. Bon, c'est un long roman d'une ville, d'une moyenne petite ville en Amérique du Sud. Et tout au long du roman, finalement, le type, à quelque part, perd la mémoire. Les lieux se défont, il ne sait plus, d'ailleurs le lecteur non plus, ne sait plus à quel dictateur il a affaire, parce que bon, il y a une succession de despotes en Amérique du Sud, dans le pays. Et il ne sait plus trop, il ne se rappelle plus le nom des rues d'ailleurs, parce que le nom des rues change constamment. Donc il y a un problème de mémoire, ou de perte de mémoire. Donc ces lieux et perte de mémoire, c'est un cas extrême si on veut. Et donc ça me fait penser à cet ouvrage ici, les paradoxes, bon, peut-être que l'on ne voit pas bien, les paradoxes de l'espace public. Dans le sens que c'est l'espace public, elle est chargée de mémoire, chargée de sens et de signification. Ce n'est pas que de la matérialité. Donc il y a des paradoxes, c'est la mémoire, même la perte de mémoire, la succession des mémoires, et évidemment le choix des mémoires. Donc ici il y a cet autre ouvrage de géographe dans ce cas, spatialité des mémoires, c'est qu'elle s'étale quelque part, mais c'est une question de mémoire et c'est une question aussi de perte, comme je disais, de mémoire. Autre cas fascinant, et ça j'ai vécu un peu directement, il y a bien longtemps, en fait, quand je suis arrivé d'ailleurs à la Sorbonne, il y a des étudiants libanais qui viennent parfois faire des maîtrises ou même des doctorats. Et il y avait cet étudiant libanais qui est un peu, on connaissait l'histoire de Beyrouth et du Liban, il y a eu des successions de guerres civiles. Et il venait faire son mémoire, en fait, sur mais je fais quoi maintenant? Et on fait quoi au Liban? Qu'est-ce qu'on fait quand la ville a été détruite? Donc ici, on ne parle pas que des statues, on parle de la ville qui est comme rasée. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reconstruit? Qu'est-ce qu'on met dans l'espace quand on reconstruit? Bon, ça a donné un ouvrage, à l'époque, j'étais directeur de la revue, ça a donné un ouvrage, la ville se refait-elle? Donc il y a un peu le récit de 5, 6, 7 villes qui ont été complètement détruites. Et après, on se dit, ben, est-ce qu'on remet une statue? On met la statue de qui? Ou est-ce qu'on met une image? On met l'image de qui? Et donc, cet étudiant posait la question, bon, ben, si on reconstruit, surtout dans un Liban qui est plutôt, qui, quand même, il faut l'admettre, communautaire, c'est-à-dire que l'espace urbain est morcelé et les signes et les signaux qu'il y a dans l'espace urbain renvoient plutôt à une communauté qu'à une autre,
y compris la toponymie, même s'il y a des interstices des uns et des autres. Donc, est-ce qu'il fallait reconstruire? Il y posait la question, je me rappelle très bien. Il disait, d'ailleurs, est-ce qu'il faudrait faire des espaces publics ou pas? C'est-à-dire des espaces non communautaires. Et finalement, un petit peu, pas à la rigolade, mais un petit peu, à la fin de son mémoire, il avait dit, ben, il y a deux choses qu'on peut faire. Un, c'est mettre de l'art abstrait. Mais il dit, bon, ça ne marchera peut-être pas à Beyrouth et pour toutes les communautés. Et deux, c'est faire des espaces aseptiques. Et quand on regarde, je dis Abu Dhabi, parce que j'y vais de temps en temps, quand on regarde Abu Dhabi, beaucoup d'espaces comme ceux-là qui sont urbanisés récemment, on a des espaces aseptiques. Donc, on a des espaces où les espaces publics, c'est des centres commerciaux aseptisés, et l'espace public, les rues, etc. Bon, maintenant, ce n'est plus des statues, c'est des portraits. Mais donc voilà, il n'y a, y a pas d'espace réel, d'espace public. Donc c'est comme deux extrêmes, quoi, en fait. Il n'y a plus rien, on ne met plus rien, ou on a perdu toute trace et, de mémoire, quoi, en fait. Bon, et donc ici, moi, bon, j'ai mis cette citation, là, ici, surtout en bas, là, elle montre au contraire les images placées dans l'espace public sont aussi une affaire collective qui mérite d'être questionnée, discutée, déplacée ou réaménagée. C'est un peu la problématique qui nous fait découvrir ces événements et ce phénomène qui se produit récemment, c'est le fait que l'espace public, il n'est pas neutre. Il n'a jamais été neutre, il a été construit, il a peut-être été même déconstruit, mais ça nous fait rendre compte aujourd'hui que c'est vraiment une affaire collective. Les statues, d'ailleurs, quand on se promène dans une ville, on ne les connaît peut-être même pas, mais elles signifient quelque chose, ou elles ont signifié quelque chose quand elles se sont fait placer là, quoi, par quelqu'un, par l'ordre, par le pouvoir, par la société, et peut-être par une époque. Donc, le grand acquis, si on veut, et c'est tant mieux, aujourd'hui on peut en discuter ce soir, c'est justement qu'il faut que ça soit questionné, discuté. Et donc, qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça signifie pour nous? Voilà. Bon. Pour moi, un peu l'angle qu'on prend pour la géographie, et ça, c'était un colloque, vous voyez, c'était, ça précédait le déboulonnage des statuts, mais c'était un conflit d'appropriation et rapport de pouvoir à Montréal et à Paris. Moi, je suis nord-américain, notamment à Montréal, je connais bien, et Paris, mais c'était cette idée, dans l'espace public, on découvre tout à coup que ce n'est pas juste joli Paris, mais qu'il y a des statuts qui renvoient à quelque chose, donc c'est une appropriation, par qui, par quoi, par, à, qu'est-ce que ça signifie. Et c'est aussi des rapports de pouvoir, comme je crois que c'est Mme Bentikos qui l'a rappelé, Mme Tanaïka, M. Macron, ou en tout cas une de vous, M. Macron a dit ben, « j'enlève pas de statut et tout ». Donc c'est déjà un acte de pouvoir et un rapport de pouvoir où là, peut-être, peut-être pas, disons, ça ne l'intéresse peut-être pas de dialoguer sur ce point-là, mais je crois qu'il faut le faire collectivement et c'est ce qu'on fait un petit peu ce soir. Bon, quelques rappels, en fait, sur... on a un déboulonnage, nous, qui se passe sur nos yeux à la télé, mais quelques rappels un petit peu ici, rappels historiques, il faut s'imaginer Paris avec plein de statues de Louis XIV et de curés et d'évêques, et bon, ils ont déboulonné. Et donc, bon, ici, on voit, c'est une belle litho. Il y a aussi, et là, j'en parlais tout à l'heure rapidement, et ça, je l'ai vu quand j'étais plus jeune, disons, à la télé, bah, quand l'Union soviétique est tombée, ici c'est une photo en Hongrie où on a déboulonné toutes les Stalines rapidement et assez violemment, hein, et les gens s'en prenaient aux statues comme si c'était vraiment les personnes. Pourquoi je montre cela? C'est que bon, dans les phénomènes plus récents, on aurait pu mettre Saddam Hussein aussi, qui n'était pas si loin, en fait, dans la deuxième guerre du Golfe. On a eu Saddam Hussein et les statues de Saddam Hussein qui sont tombées en Irak par le nouveau pouvoir. Ce que ça montre en fait, et ce qui est différent pour notre époque, pourquoi je les montre, c'est un petit peu ça, c'est que l'ordre politique, dans ces cas-là, et dans la plupart des cas que je connais, l'ordre politique s'effondre et là, on déboulonne les statues. Donc finalement, il y a un ordre politique, il y a un ordre qui contrôle l'espace public, qui contrôle l'espace d'une nation, d'un territoire, et tout à coup, ben, ce pouvoir, il est contesté, et non seulement contesté, il est changé, il est jeté dehors, si vous voulez. Et à ce moment-là, on défait tous les symboles de ce pouvoir, ou les symboles que ce pouvoir a mis dans l'espace pour marquer justement son pouvoir et bien identifier ce qu'il est. Donc, jusqu'à récemment, et je ne vois pas d'autres cas, peut-être ça sera à discuter, ce n'est pas ce qui se passe à notre époque.
l'ordre politique n'est pas déboulonné, n'est pas tombé. On a plutôt l'inverse. On a comme un déboulonnage, si vous voulez, ou un ordre politique, et disons un ordre culturel, social, qui précède, autrement dit, le déboulonnage d'un statut précède l'abandon ou la fin du pouvoir en place. Donc le pouvoir, certains vont dire, le pouvoir va tomber très bientôt. Il n'empêche, les statuts ont été déboulonnés avant que le pouvoir tombe, ou du moins effectivement tombe. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui est particulier à cette époque, des événements qu'on a vus, et donc le phénomène, il est différent, ou doit être interprété, ou doit être questionné différemment des autres époques où le régime politique tombait et la culture, si on veut, les signes, les symboles tombaient ensuite. Là, on a comme l'inverse. Bon, donc j'y vois, je vais rapidement et on pourra y revenir, mais comme j'avais 15 minutes, on peut y voir, il y a trois choses, je crois, qui contribuent à ce déboulonnage des statuts avant le déboulonnage ou avant la remise en cause de l'ordre politique. Autrement dit, le déboulonnage culturel et social remet en cause aussi l'organisation du pouvoir et l'organisation évidemment des rapports culturels aussi. Donc, politique, culture et société se mettent. Bon, la première chose, c'est vraiment le déboulonnant le récit officiel. Ça fait quand même des années, même dans les facs et dans les universités, où il y a un retour ou un reconsidérer comment on écrit l'histoire, qui a écrit l'histoire et pourquoi on a écrit l'histoire d'une certaine façon. Donc ça se fait le récit officiel de l'histoire. Il est en cours, on peut dire l'idée des approches ou l'idée de postcoloniale, décoloniale, et même la critique postmoderne. Pour dire, bon, est-ce qu'on a vu pas ici un ordre du pouvoir qui a fait un certain récit, qui a éliminé certaines données de sa propre histoire, de son affichage, en fait. Donc, il y a certainement ça qui court depuis au moins une vingtaine d'années, certainement. Moi, j'étais aux États-Unis, déjà à la fac, il y a 20 ans, quoi. Il y avait des critiques, justement, sur comment les choses avaient pu être écrites, comment être faites, avec une actualité sociale, quoi, en fait. Donc, ça, il y a un rapport entre la critique, si on veut, intellectuelle, scientifiques, etc., remise en cause des principes scientifiques, d'ailleurs, sur comment on bâtit l'histoire, comment on bâtit les connaissances en sciences humaines, en sciences sociales. L'autre chose, et on pourra en discuter, la pandémie nous est, ici je parle de l'événement plus que du phénomène, la pandémie a fortement probablement, et en tout cas je fais l'hypothèse, contribué à l'événement, c'est-à-dire à l'arrivée de cet événement dans certains espaces publics, donc surtout en Amérique du Nord, ça c'est à Montréal, en Amérique du Nord, en Angleterre d'abord, dans les pays anglo-américains surtout au départ, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, et après la France, et après un petit peu plus l'Europe continentale. La pandémie, autrement dit, grande question qui se pose, la pandémie, elle a vidé les villes là, quelque part, et en redonnant à la pièce et avec des nouvelles règles, à redonner si on veut, un sens ou du moins une reconquête des espaces publics par les gens. Que ce soit à Paris, par exemple, les pistes cyclables qui sont multipliées, les kilomètres du moins, et des espaces publics à Montréal qui ont été bloqués, où les gens sont beaucoup plus dans la rue et reprennent, réapproprient, cette idée de réappropriation des espaces publics et de ce qui s'y passe. Et donc, d'une certaine façon, un nouveau regard et une nouvelle manière, ça peut être très esthétique, mais ça peut être aussi une remise en cause, et donc le feu a pris là. Et le troisième élément, qui est un peu le centre de ce que je travaille aujourd'hui, bon, c'est cette idée de « cancel culture », donc de déboulonner les statuts. Pour ceux qui ne connaissent pas trop comme cancel culture, on peut rappeler simplement le Me Too Movement, c'est-à-dire dénoncer des comportements, des déviants même, de la part de personnes qui sont en position de pouvoir, et notamment par rapport aux abus et au harcèlement des hommes par rapport aux femmes. Et ça a commencé aussi tranquillement avec les réseaux sociaux et les moyens électroniques. Donc, on a pu déboulonner les statuts, c'est-à-dire ceux, un peu certainement, mais surtout ceux
qui occupaient des positions de pouvoir. Donc on a ici, ça contribue, si on peut dire ces trois éléments dont je parle, contribuent, on a déboulonné des statuts, c'est-à-dire des statuts d'hommes ou de puissants qui abusent des autres personnes et qui maintiennent un pouvoir d'inégalité. Et donc ça s'est fait avec ce qu'on appelle « cancel culture ». C'est-à-dire qu'avec le MeToo mouvement pour les femmes, et d'une façon générale, le cancel culture, c'est des gens qui surveillent beaucoup les inégalités et vont regarder, d'ailleurs à la fac, par exemple, les dérapages des politiciens, et via Twitter, par exemple, vont aller dans des réseaux et vont justement cancel, c'est-à-dire qu'ils vont s'en prendre à la personne qui a dit, qui a fait certaines choses. Et donc, finalement, on va cancel. Et donc, après, ça s'enflamme sur les réseaux sociaux et on va destituer, si on veut, le statut de la personne, qu'il soit un prof d'université, un politicien, un maire, etc., etc. C'est un pouvoir énorme, évidemment, de la vindicte, on pourrait dire d'une vindicte populaire. Et c'est beaucoup lié, c'est un autre élément de ce déboulonnage des structures, à Twitter, entre autres, parce que ça propage rapidement l'information. Et donc, on a finalement rapidement l'information et rapidement, on peut éliminer quelqu'un. Éliminer, c'est-à-dire, ça veut pas dire qu'il élimine physiquement, malgré qu'il y a des menaces parfois, ça va jusque-là. Donc, on met sous pression des gens qui sont au pouvoir et qui sont au pouvoir de décider ou non d'arrêter ou non des injustices ou d'agir dans cet espace. Cependant, on peut dire qu'il y a justement une limite à ce déboulonnage des statuts. C'est-à-dire, on peut déboulonner les statuts quand ils sont injustes, mais ça pose une grande question, et ça me pose une grande question. À la rigueur, en vous parlant ce soir et en faisant une certaine critique de la cancel culture, on pourrait même moi-même me canceller, m'éliminer, parce que j'aurais dit, autrement dit, Twitter, à 240 mots, peut prendre beaucoup de phrases et de mots hors contexte. Et finalement, alors que si je suis un prof à la fac, je peux remettre en contexte certaines choses, les amener à discussion sans m'imposer nécessairement, comme je peux le faire ce soir, c'est-à-dire m'imposer, je veux dire, ouvert à la discussion. Donc il y a une limite un petit peu à cela. Et ça se produit présentement. Donc c'est les phénomènes qui se produisent. Mais ce, j'ai écrit déboulonner Twitter. Me renvoie justement, là j'achève, faire la conclusion, de quand aujourd'hui on déboulonne évidemment des statuts, on déboulonne une période et des pouvoirs qui se sont inscrits dans l'espace, et parfois justement en cachant, en voilant, ici on peut appeler ça le bâchage, ici c'est un bâchage, double bâchage symbolique, en bâchant des injustices et en bâchant des exploitations. Évidemment, ça se pose, mais en même temps, on peut avoir tout et pas de discernement. Au sens où il y a, les personnes humaines sont complexes, les époques sont complexes. On peut être aussi le reflet de son époque tout en ayant fait quelque chose de négatif qui est dans le courant de l'époque et en même temps quelque chose de positif. Autrement dit, il y a de la complexité aujourd'hui même. Dans ma personne, comme professeur, comme personne dans la société française, il y a de la complexité et il y a aussi une diversité. Je crois que, bon, pour un petit peu conclure, c'est le grand défi aujourd'hui, et c'est tant mieux, des espaces publics, comme je le prétendais au départ, c'est-à-dire qu'il doit y avoir maintenant, avec les événements et le phénomène et ce qui nous éclaire, il doit y avoir une remise en question et mais tenir compte, à mon avis, le défi, c'est celui de la diversité, c'est-à-dire la diversité des vues et la diversité des points de vue même politiques sur comment on s'inscrit dans l'espace, mais aussi le grand défi de comprendre la complexité. C'est un petit peu, je dis ça un petit peu à la blague, c'est comme un endroit où il y aurait eu une statue, faut-il, comme dans Garcia Marquez, complètement oublier qu'il y a eu une statue parce qu'on l'a déboulonnée. Ou faut-il faire une statue de gens qui sont en train de déboulonner une statue de telle façon à ce que ça signifie quelquefois. Il ne faut pas perdre la mémoire non plus des lieux où ont été affichés cette période pour qu'on se rappelle aussi que cette période a existé et que c'est des rapports de pouvoir. Autrement dit, pour éviter l'amnésie dans laquelle peut-être on était avant
ce déboulonnage récent, événementiel, il faudra relever ce défi de la diversité et de la complexité, tout en sachant, encore une fois, que c'est des rapports de pouvoir et c'est des appropriations et des visibilités. Donc, je vous laisse sur ça, mais un petit peu sur une image un peu dramatique qui me pose question sur la cancel, pas juste la cancel culture, mais justement l'usage de tweets et de Twitter pour faire bouger les gens dans l'espace public. Je vais vous laisser sur ça. Je trouve assez effarant. On me dit, est-ce qu'il faut abattre la statue de la liberté? Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là à la gauche qui envahissent le Capitole avec des messages Twitter qui sont basés sur aucune complexité d'ailleurs. Et j'écris « This is the end », c'est la chanson des Doors, « This is the end ». C'était pendant la guerre du Vietnam. Bon, je vous laisse sur ça. Merci de votre écoute. Et je reste évidemment là pour la discussion ou les questions un petit peu plus tard. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention, Louis Dupont. Donc maintenant, on va être avec Madame Raquel Borghi sur la géographie de l'espace. Et ce sujet nous amène à nous interroger sur l'importance de l'espace public, des valeurs que l'on souhaite y voir apparaître, comme ça a été évoqué précédemment. En effet, il peut être un lieu d'histoire, un lieu de rassemblement, un lieu de contestation. Et c'est un espace qui évolue tout comme son utilisation et l'usage que l'on souhaite en faire. C'est pourquoi on peut se questionner entre espace public et rapport de domination aujourd'hui, comment s'en sortir? Merci beaucoup. Vous m'entendez? C'est bon? Merci. Alors, d'abord, merci beaucoup pour m'avoir invité et les organisatrices. Savent que j'avais un peu de questions, en fait, parce que pour moi, la question est pourquoi elles avaient choisi de mettre la question, de poser la question. C'est-à-dire que pour moi, cette question du « il faut effacer l'histoire » ou des choses comme ça, avec le point d'interrogation, n'est pas un point d'interrogation. Pour moi, dans l'espace public, il y a la représentation des dominantes. Et donc, ça, ce n'est pas l'espace public que je veux. Ce n'est pas l'espace public de la société dans laquelle je veux évoluer, moi, et avec les autres. Moi, je pense que c'est, que comme toujours, les moments de partage, et donc de discussions sont toujours les bienvenues, mais à un moment donné il faut aussi se dire de quoi on est en train de parler, de quoi on parle, parce que souvent le problème est que il n'y a pas les termes, hein, on ne se met pas d'accord sur les termes sur lesquels on veut débattre, et que surtout il y a toujours dans un débat un discours qui est, qu'on le veut ou non, dominante, et des discours qui ne sont pas minoritaires, mais minorisés. Donc, quand on est en face à différents, on va dire, points de vue, mais que les personnes n'ont pas le même pouvoir, hein, et les mêmes, on va dire, épistémologies de référence, bon, il n'y a pas de débat. Il y a seulement le fait que les dominantes ont leur terrain et les minorisés, hein, doivent le construire encore, ce terrain-là. Et pour moi, ça, c'est un peu ce qui arrive maintenant avec cette question du déboulonnage des statuts, et c'est aussi une chose que on parlait avant, un peu quand on parlait, par exemple, de la question plus classique de le nom des rues qui porte toujours les noms des hommes et pas des femmes, etc. Alors, avec une perspective intersectionnelle, on ne peut plus se questionner seulement sur la présence des femmes, que d'ailleurs, femmes, quand je dis femmes, il faut spécifier femmes cisgenres, etc., dans l'espace public, mais aussi le fait que la plupart des noms de rue et donc l'espace public en soi-même portent les signes et les marqueurs de la blanchité. La blanchité qui est l'expression dominante, hein, tellement dominante, qui est, comme toujours, a le privilège d'apparaître comme
neutre. Donc forcément, c'est les personnes non blanches qui doivent se positionner en tant que personnes non blanches, parce que les blanches sont les nôtres. Et pour moi, ça c'est fondamental à en parler au moment que traite ce sujet-là, parce que il faut savoir de quoi on parle. Et il faut savoir aussi à partir de quel positionnement on parle. Alors, lorsque le président de la République est le président de tous les Français, déjà au masculin, bien sûr, il ne dit pas qu'il est le président de tous les Français qui partagent ce genre d'histoire, qui est une histoire blanche. Donc, moi aussi, aujourd'hui, si je vous parlais de façon universaliste, hein, je dis pas que moi je suis blanche, et moi je vous parle en tant que femme, mais en tant que femme blanche, et donc comme personne qui appartient à l'histoire dominante, à cette histoire dominante qui est continuellement affichée dans l'espace public et mise en espace, hein, à travers les statuts. Donc, c'est de mon histoire, quelque part, que l'espace public parle, mais moi, cette histoire-là, je ne la veux pas. C'est-à-dire que l'histoire m'a fait blanche, hein, comme bien explique, reprenant des autres, Uri Boutledge dans son livre, l'histoire m'a fait blanche, mais moi, je ne veux pas rester blanche. C'est-à-dire que la blanchité, c'est mon privilège, mais moi, je veux essayer de trouver comment trahir le privilège, cette blanchité-là dominante. Parce que moi, cet espace public, un espace public qui efface à travers l'affirmation de l'histoire blanche, efface les rapports de domination et l'histoire des autres, moi, ce n'est pas une histoire que je veux. Et ce n'est pas une histoire dans laquelle je veux évoluer. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qui est nécessaire de faire est de comprendre de quoi on parle, savoir les termes du discours et savoir qu'on n'est pas en train de parler d'une histoire passée, mais on est en train de parler du présent. Parce que cette statue-là ne parle pas seulement de colonialisme, etc. Il parle, leur affirmation, leur présence dans l'espace public, il parle de colonialité du présent, pas du colonialisme. Colonialisme et colonialité, j'espère que de plus en plus les personnes se rendent compte que ce n'est pas du tout la même chose. Et malheureusement, le fait qu'encore on a une confusion dans les termes du débat public entre colonialisme et colonialité, décolonialité et décolonisation, bah, ça montre qu'en effet, on est encore bien loin d'avoir posé tous les termes du langage. Parce qu'il ne faut pas forcément avoir lu toute la pensée décoloniale, mais au moins quelques ouvrages de référence, pas seulement des ouvrages de référence de la pensée latino-américaine, mais même de la pensée de la décolonialité en France. Donc, je fais l'exemple de Uri Boutledge, moi je peux faire l'exemple de François Vergès, parmi autant des autres qui, depuis au moins 20 ans, parle de la colonialité du pouvoir et de comment il est nécessaire de procéder à une décolonialisation, hein, de notre présente. Parce que la décolonisation n'a pas effacé, bon, les rapports de pouvoir, on le savait très bien, mais n'a pas effacé le colonialisme. Parce que le colonialisme est un des aspects de la colonialité. La colonialité, si vous voulez, c'est plutôt un mixte, hein, entre colonialisme, violence, donc intrinsèque dans la colonialité, capitalisme, modernité et racisme. Donc, tous des termes qui sont bien loin d'être dépassés. Donc, pour moi, pour faire un débat, il faut d'abord commencer à mettre les termes du discours. Et pour mettre les termes du discours, je suis désolée, hein, mais pour qu'on commence à débattre, il faut que toutes les personnes qui pensent mettre les termes de débat à partir de leur position dominante commencent à lire, hein, toute une production écrite par des autres qui sont, regarde un peu, les personnes directement concernées par ce genre de problématique. Donc moi,
Avec tout le respect qu'on dévoie à toute personne, donc même au président de la République, moi, je tiens beaucoup à ce qu'on me dise les personnes concernées par l'histoire violente et qui ont subi sur leur corps cette histoire-là, qu'est-ce qu'on doit faire de cette statue, hein? Parce que parler d'universel dans ce contexte-là, et surtout quand toute une production du savoir est continuellement effacée et invisibilisée, nous porte à penser que cette célèbre universel dont on parle, ben, n'est pas autant universel que ça. C'est-à-dire que c'est un universel qui concerne seulement une partie de la population. Et la partie de la population est, comme par hasard, blanche et dominante. Donc, penser que ce genre de statut, en tant que marqueur dans l'espace public, part d'une histoire universelle, bah, c'est avoir un problème déjà en termes, hein, parce que bon, en plus, on sait très bien que l'histoire sont les dominantes qui l'écrit, hein, donc ça, on n'a pas eu besoin de la pensée décoloniale pour dire ça, on le sait depuis toujours, donc je ne comprends pas comment on peut parler, hein, d'une universalité en fait, de ces symboles-là. Et en plus, c'est vrai qu'il s'agit de personnages de l'histoire, mais je voudrais bien aussi qu'on discute de quels personnages de l'histoire, parce que ce sont toutes des personnes en fait, qui ont commis des crimes. Bah, bien sûr, vous pouvez me dire qu'ils exécutaient des ordres. Mais déjà, ça serait comme me dire qu'il faut séparer le soi-dit homme de l'artiste. Hein, lorsque, bon, on ne peut pas diviser ce que produit une personne sans savoir ses actions de ce que la personne elle est. Et surtout, parce que dire « je fais juste mon travail », j'exécute des ordres, je ne peux rien faire à mon niveau, bah, c'est simplement un mensonge. Parce que chaque personne peut faire quelque chose. Après, bien sûr, il y a des privilèges. Hein? Donc, des privilèges que chaque personne peut mobiliser aussi pour désobéir. Alors, toutes ces personnes-là qui sont célébrées dans l'espace public n'ont pas désobéi aux ordres. Et en plus, souvent, c'était eux-mêmes qui donnaient les ordres. Donc, je n'aime pas trop ce lien. C'est pas vrai. Pardon? Je pense qu'il y a des micros ouverts. Oui, voilà, merci. Donc, je voudrais montrer quelques photos. Après, je connais pas trop l'usage de Zoom parce que moi, j'utilise les logiciels libres, normalement Jitsi. Donc, vous voyez la page? Oui. Vous voyez mon écran? Oui, on voit les photos. Voilà. Donc là sont des photos d'une artiste photographe qui s'appelle Christopher Gervais. Et là sont des photos que vous pouvez trouver aussi sur sa page qui s'appelle l'objectif de Chris, dans lequel dans son travail d'artiste photographe, il a fait, bon là je vous ai montré juste quelques images d'une action de la brigade contre l'homophobie, vous pouvez voir aussi l'écriture négrophobie d'État, hein, que je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'elle nous porte à penser comment certains symboles dans l'espace public, en fait, ce qui concrétise ou comment ils sont lus, bah, comme une expression, hein,
d'une domination systémique et donc d'une, dans ces genres de cas du racisme systémique à l'intérieur de nos sociétés. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit dire, c'est plutôt quelle piste on va faire pour créer un espace public qui ne reproduit plus des rapports de domination, qui ne reproduit plus une histoire dominante. Et moi, je pense que c'est d'abord aux personnes blanches de commencer à se taire, en fait, à produire du silence et pas toujours de prise de parole. Et vous pouvez dire que c'est contradictoire avec le fait que je parle moi. Et maintenant, bon, je parle parce que j'étais invitée et j'ai parlé en tant que blanche, en fait, qui veut essayer de mobiliser son privilège blanche pour construire une autre vision de l'histoire et surtout du présent, parce que ce n'est pas ça la société dans laquelle je veux vivre en tant que femme féministe, transféministe et antiraciste. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est intéressant d'avoir justement le point de vue d'université, car l'été dernier, Emmanuel Macron a déclaré que le monde universitaire a été coupable. Il a encouragé l'ethnicisation de la question sociale en pensant que c'était un bon filon. Or, le débouché ne peut être que sécessionniste. Cela revient à casser la République en deux. Donc, suite à ces propos, il y a aussi eu des polémiques concernant les archives nationales et le vendredi 15 janvier, donc très dernièrement, la communauté des historiens et activistes a dénoncé les nombreuses entraves à l'accès aux archives sensibles et a déposé devant le Conseil d'État français un recours pour garantir cet accès. Donc maintenant, je m'adresse à Sumboy Histoire Crépue parce que pour réconcilier les mémoires et permettre une histoire postcoloniale, l'accès aux archives est primordial. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ces statues sont-elles révélatrices de la manière dont est raconté aujourd'hui en France le passé colonial ? Salut, est-ce que vous m'entendez correctement ? Ouais. Oui. Mais bonjour à toutes et tous déjà, merci pour l'invitation, ça fait grave plaisir. Donc, je vais un peu parler de ce sujet-là et je vais rebondir d'abord un peu sur ce qui a été dit juste avant par Louis Dupont, qui disait que c'est en général quand l'ordre politique s'effondre qu'on déboulonne les statues. Et ce que je trouve assez intéressant dans le cas des statues coloniales, c'est que justement, il n'y a pas eu de déboulonnage ou de déboulonnement. Ce qui veut dire aussi que l'ordre politique colonial ne s'est pas effondré. Enfin, je ne sais pas si on peut faire un lien direct comme ça, mais je me dis, clairement, il y a eu un ordre colonial qui est resté pendant un certain moment, en France en tout cas, et dans différentes autres grandes nations coloniales. Et on n'a pas eu cette période de rupture suffisamment franche pour que toute la symbolique qui y soit liée soit déboulonnée. Et donc ça, c'est le premier truc que je trouve intéressant et qui, du coup, me fait me dire qu'il y a effectivement un gros travail de décolonisation à faire, puisque ce n'est pas encore entamé. Ensuite, j'allais dire, comme Raquel disait, de quoi parle-t-on exactement ? Et donc, moi, je vais essayer de parler de 5 statues, un peu plus précisément, on va dire, pour vous présenter 5 personnages, et dire, voilà, il n'y a pas n'importe qui est en statue non plus. Donc, ce n'est pas juste des personnes qui étaient vivantes à l'époque de la colonisation qui sont représentées sur les statues. Ça peut être aussi, c'est en général, en fait, des grands responsables. Donc, ce n'est pas juste des gens qui faisaient comme ce que tout le monde faisait à l'époque. C'est des gens qui ont pris des décisions politiques et qui ont fait des choix et qui se sont battus toute leur vie pour que ces choix soient appliqués. Et donc, je vais vous parler de 5 de ces personnages dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos, parce que je me présente un tout petit peu, du coup. Moi, j'ai une chaîne de vulgarisation d'histoire coloniale qui s'appelle Histoire Crépue. Et donc, sur cette chaîne, j'ai déjà parlé de plusieurs sujets, notamment d'un déboulonnage qui a eu lieu en Martinique, quelques jours avant la mort de George Floyd, qui était le déboulonnage d'une statue de Victor Schœlcher. Il y a eu toute une série de déboulonnages, en fait, aux Antilles, qui ont commencé avant la mort de George Floyd. Et ça aussi, je pense que c'était important à rappeler, c'est que ce n'est pas la mort de George Floyd qui a lancé le mouvement des déboulonnages de statues. C'est quelque chose qui arrive très régulièrement dans l'histoire, parce que l'histoire fait toujours des sortes de boucles.
Et donc, il y a déjà des statues qui ont été déboulonnées. Et justement, juste avant la mort de George Floyd, il y avait une statue qui avait été déboulonnée par un groupe de militants et militantes. Et ça nous informe bien sur le fait qu'il y avait une tension palpable dans l'air, et que on va dire que la mort de George Floyd a été une étincelle qui a permis à ce que ça prenne une ampleur mondiale. Mais déjà, à plein de niveaux, les gens cherchaient à s'organiser pour faire bouger les choses. Il y avait un vrai ras-le-bol qui était donc avant sa mort. Alors, pour vous présenter, j'ai essayé de faire une petite présentation un peu expérimentale. Mais du coup, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous me voyez bien en grand, mais je pense que oui. Ouais, ok. Et donc je vais vous parler déjà de Joseph Gallieni, qui est le personnage j'ai déjà parlé pas mal de lui dans des vidéos, mais qui est un personnage assez intéressant. Donc là, ce que vous voyez, c'est la statue de Joseph Gallieni qui est à côté des Invalides à Paris, donc la place Vauban. Et elle est juste à côté aussi d'une... Alors, j'entends... Elle est juste à côté aussi de l'avenue du maréchal Gallieni, qui est donc une immense avenue, en hommage à ce grand général de l'armée française. Et donc Joseph Gallieni, c'est ce monsieur-là que vous voyez ici, et qui est donc un responsable politique et militaire. Enfin, c'est un grand général français qui est connu pour avoir donc conquis pour la France le Soudan, enfin ce qu'on appelait à l'époque le Soudan français, qui correspond à peu près au Sénégal et au Mali. Ensuite, il a conquis aussi le Tonkin et Madagascar. Et en fait, ce qui est vraiment particulier avec ce personnage, c'est qu'il a mis en place une politique qu'on appelle la politique de race, et qui consiste donc à diviser les populations, les populations qu'il va conquérir en fonction de leur groupe ethnique. Donc il fait des divisions et il essaie de les monter les uns contre les autres de manière à être sûr que la France domine au final le territoire en question. Et cette politique, elle est intéressante parce qu'en fait, c'est vraiment... D'un côté, si on le juge avec nos yeux d'aujourd'hui, on va dire c'est ultra raciste, etc. Mais il faut aussi penser à ce qui se passait à l'époque, même si j'ai pas envie de faire l'avocat du diable ou quoi que ce soit. Mais en fait... La stratégie de Gallieni, elle est extrêmement efficace parce qu'elle permet de mobiliser très peu de soldats français, d'avoir très peu de pertes de soldats français et très peu d'argent dépensé en fait dans la conquête, parce qu'il faut savoir qu'envoyer beaucoup de troupes, en tout cas blanches, françaises, ça coûtait très cher. Les soldats mouraient assez facilement parce qu'ils n'étaient pas forcément préparés pour les maladies, etc. Donc Gallieni employait surtout des tirailleurs soit indochinois, soit sénégalais, donc c'est-à-dire des soldats indigènes, pour la conquête d'autres territoires indigènes. Et donc lui, c'était comme ça une sorte de gars très très intelligent sur les manières de conquérir des territoires en jouant sur les oppositions politiques et donc sur les collaborations aussi des indigènes qui allaient être conquis, parce qu'il était toujours aidé par certains indigènes pour se battre contre les autres, etc. etc. Et donc c'est tout ce truc-là qui fait que c'est devenu un personnage hyper important pour la France, un grand général reconnu partout dans les écoles militaires, et qu'il a ensuite été appelé par la République française pendant la guerre mondiale à défendre Paris. Et donc là, il a été appelé donc par l'armée française, pour venir défendre Paris, alors que il était à la retraite, c'était la fin de sa carrière. Pas vraiment grâce à lui, mais disons que dans la bataille de la Marne, c'était pendant la première guerre mondiale, il était nommé protecteur de Paris, et d'autres généraux ont repoussé les Allemands. Donc les Allemands ne sont jamais arrivés jusqu'à Paris, mais l'histoire s'est rappelée de Gallieni comme le défenseur de Paris, parce que c'était le titre qu'il avait à ce moment-là. Et donc cette statue-là, par exemple, elle est officiellement installée à cet endroit pour célébrer le fait que Gallieni est le protecteur de Paris. Mais si on regarde bien sur le pied de la statue, il y a écrit donc qu'elle a été construite par la Ligue maritime et coloniale française. Et donc c'est vraiment un monument de propagande coloniale et en même temps un monument de propagande militaire. Ça, c'est pour un premier personnage. Ensuite, je peux vous montrer... Hubert Lyautey, qui a une statue qui est vraiment pas loin de celle de Gallieni, qui est vraiment juste à côté, dans la rue à côté. Et donc, Hubert Lyautey, c'est un grand général aussi de l'armée française, qui a d'ailleurs servi sous les ordres de Gallieni, parce que Gallieni, c'est vraiment le big chef de la conquête coloniale française, et après, il y a tout un tas de généraux qui ont servi sous ses ordres, etc. Et Lyautey en fait partie, et il a, en plus de ça, travaillé sur... Donc, il était... administrateur pendant le protectorat au Maroc, et c'est aussi lui qui a mis en place tout ce qui est propagande coloniale de type, par exemple, le musée aujourd'hui qu'on a, le palais de la Porte Dorée qui est à Paris, qui est le musée de l'histoire de l'immigration,
et qui à l'époque était le musée des colonies, qui a été en fait construit sous le, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais sous le, la tutelle de Lyoté en fait. Et j'ai aussi un atlas colonial qui a été préfacé par Lyoté. Enfin, c'était vraiment celui qui promouvait, enfin qui faisait la promotion du fait qu'on, que, qu'en France on connaisse mieux les cultures et voilà et les colonies, enfin les cultures des colonies qu'on a, enfin que la France avait. Et donc il y a toujours le bureau Lyoté que vous pouvez voir dans le palais de, enfin dans le musée de l'histoire de l'immigration. Et il faut savoir que cette statue là, elle a été abîmée, enfin comme toutes les statues coloniales, elles sont régulièrement taguées, etc. Et donc elle a été taguée récemment par des militants et militantes. Là, on ne voit pas très bien sur l'image, mais bon, elle a été taguée en tout cas. Et il y a des militants d'extrême droite qui sont venus la nettoyer. Et donc là, c'est une story qui avait été postée sur mon compte et sur le compte de Jérémy Bessen à l'époque qui suivait cette affaire. Et donc, pour dire qu'il y a aussi une lutte dans les deux sens, il y a des gens qui protègent aussi les statues et des gens qui essayent de les attaquer, entre guillemets, plus ou moins symboliquement. Et là, pour le coup, c'est vraiment une action symbolique. Ensuite, je vous parle rapidement. Donc là, c'était notre ami Lyoté. Je vous montre sa tête un peu plus grand quand même. Le voilà. Ensuite, il y a Charles Mangin, qui est vraiment pas loin aussi de Lyoté. Donc lui, c'est un grand général aussi de l'armée française, très connu, notamment pour avoir écrit un livre qui s'appelle « La Force Noire ». Et donc lui, c'est celui qui a promu, en fait, aux yeux de l'armée française, le fait d'utiliser des soldats noirs pour la Première Guerre mondiale. En fait, lui, sa grande peur, c'était que les Français soient trop peu nombreux face aux armées allemandes pendant une guerre, enfin, pour éventuellement une guerre qui allait venir. À l'époque, il ne savait pas encore que la guerre allait commencer. Et donc, il était en train d'essayer de pousser l'état-major français à utiliser le plus possible les soldats noirs donc des colonies, parce qu'il disait que voilà, c'est des soldats plus robustes, etc. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle « La Force Noire », que vous pouvez trouver gratuitement en PDF sur Gallica et même, je pense, sur la page Wikipédia. Et donc, c'était lui le général de ce qu'on appelait à cette époque l'armée noire. Et c'est d'ailleurs écrit sur cette statue, contrairement à d'autres statues qui n'ont pas forcément les mentions coloniales de ce qu'ont fait leurs auteurs. Là, c'est clairement indiqué sur la statue. Et d'ailleurs, sa devise, c'est « Faire la guerre, c'est attaquer ». Voilà. Donc lui, il est dans l'attaque, dans l'attaque, dans l'attaque. Et ce qui est intéressant aussi avec ce personnage, c'est que... qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, c'est que sa statue a été détruite par les Allemands, puis reconstruite par la République. Donc ça, c'est une statue qui a déjà été, entre guillemets, déboulonnée à un moment par l'ennemi allemand, et on a voulu restaurer vraiment la grandeur de ce héros colonial. Et aussi, c'est à cause de Mangin qu'on a cette légende. Bon, là, je vous dis des choses un peu floues, mais je ferai des vidéos plus précises dessus, mais j'ai pas envie de tout révéler comme ça. Mais en gros, c'est à cause de Mangin aussi qu'on a cet imaginaire, enfin cette légende en tout cas urbaine qui court, qui dirait que les tirailleurs sénégalais ont servi vraiment de chair à canon pendant la Première Guerre mondiale, ou la Seconde Guerre mondiale aussi d'ailleurs. Et en fait, c'est pas totalement vrai, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une bataille particulièrement où les tirailleurs sénégalais emmenés par Charles Mangin ont été massacrés et étaient effectivement en première ligne. Et en fait, cette bataille était tellement scandaleuse et le massacre était tellement gros que cette anecdote est restée très importante pour la postérité, et on en a tiré la conclusion que c'était l'ensemble des troupes de tirailleurs qui avaient servi de chair à canon. Mais en fait, l'histoire est un petit peu plus complexe, et j'en parlerai dans une vidéo. Voilà. Ensuite, il y a un autre camarade, que je vous montre un peu sa tête. Voilà, lui, c'est Charles Mangin. Vous pourrez regarder voilà, sur tout là. Ensuite, il y a Jean-Baptiste Marchand, j'en ai déjà parlé aussi dans une vidéo. Attendez, j'enlève juste la tête de... Voilà. Donc Jean-Baptiste Marchand, qui a un monument assez grand qui est en face justement du musée de l'histoire de l'immigration, là qui est en noir et blanc, mais bon voilà, qui a été récemment rénové d'ailleurs. Il y a eu plusieurs tags, plusieurs choses qui ont été faites autour, et pourtant, malgré tout, au lieu d'ajouter une plaque qui expliquait peut-être ce qu'il avait fait, ils ont choisi plutôt de le rénover. Et donc dessus, on voit des tirailleurs sénégalais qui portent des bagages, on voit des colons, et on voit une plaque qui honore Marchand et ses compagnons. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, là où il y a l'espèce de petite gerbe de fleurs, il y avait une statue de Marchand qui a déjà été déboulonnée par des activistes en 1983 de l'Alliance révolutionnaire caraïbe, donc des Antillais aussi, qui ont posé une bombe sur ce monument.
et qui ont donc détruit cette statue. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans l'histoire, il y a déjà eu des boulonnages de statues coloniales bien plus extrêmes que ceux qui ont lieu actuellement. Et ceux qui ont lieu actuellement, c'est vraiment beaucoup de la symbolique, en tout cas en métropole, c'est-à-dire à Paris ou en France métropolitaine. Et en revanche, ce qui s'est passé et qui est, je pense, le plus intéressant de cette période, c'est... donc là, hop, c'était Marchand. C'est le déboulonnage de Victor Schœlcher, qui est vraiment très intéressant et qui a eu lieu en Martinique, pour le coup. Donc là, vous voyez une statue de Victor Schœlcher qui a été déboulonnée à la masse. Et il y a eu une série de statues qui ont été déboulonnées, pas que de Schœlcher. Il y a aussi eu Joséphine et d'autres personnages. Je crois que Dénambuc aussi a été déboulonné. Et donc là, c'est encore autre chose, parce que Schœlcher, il n'est pas forcément vu comme un héros colonial. Il est surtout vu comme le héros de l'abolition de l'esclavage en France. Mais en réalité, si on regarde bien la chronologie des événements, l'esclavage a été aboli dans les faits avant le décret que Schœlcher a signé. Ça, c'est une histoire hyper compliquée. J'ai fait aussi une vidéo dessus que vous trouverez sur mon Instagram, si ça vous intéresse. Et c'est vraiment un truc de date. Schœlcher arrive, il fait signer un décret. Le temps que le décret arrive dans les Antilles, en fait, l'abolition est déjà obtenue par les esclaves qui se sont eux-mêmes révoltés. Et ensuite, Schœlcher, en fait, le décret qu'il fait, qui abolit l'esclavage, permet surtout aux colons, enfin, et aux esclavagistes, d'être indemnisés par la République. Et donc, tout ce qu'ils ont perdu en esclaves leur est remboursé par la République, qui est à l'époque une très jeune République, la Seconde République. Donc, c'est une histoire hyper compliquée. Mais ça nous montre aussi que certains héros, parfois, qui sont vus par la République de manière positive, comme des abolitionnistes comme Schœlcher, peuvent, du point de vue des personnes qui sont les héritiers ou les descendants et descendantes des personnes esclavagisées, être vus comme des problèmes, notamment par le fait qu'on ne leur présente que Schœlcher et qu'on ne présente jamais les esclaves qui se sont révoltés, etc. Alors, du coup, moi, ce que je pourrais dire, donc là, je vous ai présenté 5 figures, donc Gallieni, Lyautey, Marchand, Mangin et Schœlcher, que je pense qu'ils sont 5 figures très importantes. Après, il y en a encore plein d'autres qu'on pourrait regarder et sur lesquelles on pourrait se poser des questions. Moi, je pense que, en tout cas, parler des statues et les questions du déboulonnage, c'est pas effacer l'histoire, parce que je pense qu'on n'a jamais autant parlé de ces personnages que depuis qu'il y a cette question des déboulonnages. Et qu'en fait, avant ça, on en a parlé à une époque pour les mettre en avant. Mais aujourd'hui, plus personne ne sait qui est Gallieni, plus personne ne sait qui est Mangin, etc. Et là, justement, ça nous permet de revenir sur leur histoire, mais ça ne veut pas dire qu'on doit garder leurs symboles dans l'espace public. On peut très bien les mettre dans des musées ou dans d'autres endroits, comme je pense au jardin d'acclimatation, enfin jardin d'agronomie tropicale, qui est en région parisienne et dans laquelle il y a tout un tas de vestiges de l'époque coloniale qui sont conservés à l'abandon un petit peu. Vous pouvez y aller avec le métro, je crois que c'est... Non, avec le RER A. À Rennes-Nogent-sur-Marne, et ce serait possible de déplacer des statues comme celles qu'on a vues dans ce jardin, avec les autres qui sont abandonnées, et voilà, et de faire des choses autour. On n'a pas besoin forcément de les mettre dans l'espace public et de les glorifier comme ça a été fait à l'époque coloniale, par des républiques coloniales qui les ont mis en avant, parce que c'était des symboles coloniaux, et pas parce que c'était autre chose. Donc voilà, je pense qu'il est temps, à mon avis, de remplacer ces symboles. Et ça ne voudra jamais dire qu'on les a effacés. Et maintenant, la question, c'est comment remplacer les symboles? Et pour ça, il y a une question d'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et suite à George Floyd, on l'a vu, il y a eu beaucoup de mobilisation, de communication sur les réseaux sociaux. Et il faut aussi être capable d'organiser concrètement des actions ou des choses, ou même que ce soit des référendums, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, s'impliquer dans la politique, que ce soit du côté activiste ou du côté plus, on va dire... plus parlementaire, enfin je ne sais pas comment utiliser, je crois que j'ai dépassé un peu mon temps, mais voilà, en tout cas c'est ces questions-là que je trouve intéressantes, et merci de m'avoir donné la parole. Merci à vous pour ces présentations, j'espère que vous m'entendez, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez ouais. Bien, merci. Oui. Parce que tout à l'heure c'était un peu compliqué. On va vous faire rebondir, Carfa Diallo, sur ce que vient de dire Sumboy à propos des récits historiques et de ses personnages, à propos des alternatives décolonialistes. On voit que cela touche aux questions de mémoire et de mémoire à vif,
ce qui nécessite finalement de repenser la place des statues dans l'espace public, comme on a pu le voir, pour pouvoir concilier toutes les subjectivités et les sensibilités, finalement, et recréer un discours historique qui leur correspond. Non sans débat, puisque la patrimonialisation, pardon, et la mise en musée en elle-même de ces personnages de pouvoir est assez controversée, puisqu'elle représente un engagement national politique qui peut servir parfois le récit de conquête et le récit de la colonialisation. On connaît par exemple l'exemple allemand qui met dans ses musées les plus grandes figures du nazisme. C'est pourquoi je voudrais vous faire rebondir là-dessus et vous demander quels sont les bons moyens pour comprendre la présence de ces statues et ce qu'elles représentent et les replacer finalement dans leur histoire. Merci, merci beaucoup. Merci aux organisateurs et aux organisatrices de m'avoir convié à cet échange. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions précédentes, toutes très riches et complémentaires d'une problématique qui se pose à nos démocraties aujourd'hui. Moi, je parlerai plus au titre de l'organisation que je dirige, qui est Mémoire et Partage, une association internationale qui est basée à Bordeaux, qui est née à Bordeaux il y a 22 ans, qui est basée aussi au Sénégal, puisqu'on fait un travail autour de la mémoire de l'esclavage et de la traite des Noirs au Sénégal, en Afrique. C'est une organisation qui est aussi basée depuis cet été, d'ailleurs, à La Rochelle et au Havre. Et c'est une des organisations qui, depuis plusieurs années, même des dizaines d'années, a soulevé la question, finalement, de l'espace public et des traces de l'histoire du racisme, de l'histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs sur l'espace public. C'est une organisation qui, dans son rapport à cette question-là, travaille beaucoup sur la question de la réappropriation citoyenne, urbaine, d'un symbole d'une histoire violente, d'une histoire criminelle, une réappropriation qui passe par la mise en place d'outils de pédagogie, d'outils de transmission, d'outils de partage et de dialogue entre les populations qui partagent l'histoire de leur ville. Mémoire et Partage est née à Bordeaux, et elle est née à Bordeaux aussi particulièrement parce que Bordeaux était un des ports négriers les plus importants de France. C'était le deuxième port négrier français, donc après Nantes, mais c'est surtout le premier port colonial français. Et la particularité de la ville de Bordeaux, c'est que c'est la ville qui s'est la plus enrichie grâce à l'esclavage colonial. Les historiens ont l'habitude de dire que Nantes s'est enrichi grâce à la traite des Noirs donc en France, mais Bordeaux s'est enrichi grâce à l'esclavage. Et sachant que l'esclavage est beaucoup plus long et beaucoup plus diffus dans la société bordelaise, c'est ici où on a vraiment concentré tout un ensemble de symboles très importants de cet orgueil colonial, de cet orgueil esclavagiste et raciste. Ces symboles sont concentrés dans cette ville d'une façon très importante. Et nous, depuis plusieurs années, nous avons travaillé autour de ces symboles en privilégiant, pour nous, ce qui était essentiel, c'était comment se réapproprier cette histoire-là. Mais je voudrais, juste peut-être avant de développer sur les actions que nous mettons en place pour cette réappropriation, rejoindre effectivement ce qui a été dit effectivement sur l'antériorité finalement du phénomène de contestation des symboles de la colonisation, de l'esclavage, du racisme. Toute cette contestation n'est pas née avec le mouvement Black Lives Matter. Il est vrai que ce mouvement, donc l'été dernier, amplifié par les réseaux sociaux qui ont pris une place très importante dans nos vies, ont donné l'impression que cette question du déboulonnage des statues, de la contestation des symboles de l'esclavage était une question nouvelle. C'est une question qui est très ancienne. On sait même qu'en Afrique, à l'époque des indépendances, il y a un pays, par exemple, comme l'actuel Congo RDC, l'ancien Zaïre, il y a tout un processus de zaïrisation des symboles de l'histoire coloniale au Zaïre. On change les noms, on change la façon de s'habiller, on change les noms des villes également. Donc tout ça a participé à ce qu'en Afrique, dans le processus de décolonisation, on est déjà à l'époque, dans beaucoup de pays africains, pris conscience de la nécessité de se réapproprier son espace public, de se réapproprier son langage
et sa façon de nommer les choses. On sait qu'en Afrique du Sud également, les contestations étaient importantes, notamment pendant la période de la fin de l'apartheid, autour de certaines figures qui ont défendu l'apartheid. On a aussi des contestations antérieures à ce qui s'est passé l'été dernier, notamment au Sénégal. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure, la figure de Federbe, ce Lillois, gouverneur de l'Afrique occidentale, gouverneur du Sénégal, qui également a participé à cette entreprise coloniale avec des violences extrêmement importantes auxquelles il a soumis les populations africaines. Et on sait qu'au Sénégal, la ville de Saint-Louis du Sénégal, qui est au nord du Sénégal, porte le nom de Louis IX, l'ancien roi de France, et que sur cette ville, une statue de Federbe, où trônait d'ailleurs jusqu'à très récemment, la ville de Saint-Louis a décidé de changer, de déboulonner cette statue. Donc cette question pour nous, elle est importante, et nous, on l'a vraiment envisagée sous l'angle des noms de rue, des rues de négriers, comme on les appelle. Parce que finalement, un nom de rue, c'est une sorte de symbole aussi, c'est une sorte de statut qu'on érige sur l'espace public. Hein. Ça n'a peut-être pas la même forme que les statues qui sont déboulonnées de Schœlcher ou d'autres personnalités, mais ça reste une l'érection d'un symbole sur l'espace public qui fait sens pour une certaine population et qui participe à un orgueil colonial, un orgueil esclavagiste. Et sur Bordeaux, on avait et on a toujours une vingtaine de rues qui honorent des négriers, donc des gens qui ont soit armé des bateaux qui ont fait la traite des Noirs et l'esclavage, soit été capitaines de navires négriers donc, qui ont transporté les Africains vers l'Amérique et vers les plantations américaines, ou bien des gens qui ont été propriétaires de plantations américaines, donc qui étaient esclavagistes. Donc, on a ces trois personnages-là qui sont importants, qui sont honorés dans des grandes villes comme Bordeaux, comme Nantes, comme La Rochelle, comme Le Havre. On a des hommes politiques également. Vous l'avez suivi, la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale a fait l'objet de contestations, voire d'une tentative de déboulonnage. On a même des personnalités politiques françaises de premier plan, comme l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui a pris position en disant que la salle Colbert à l'Assemblée nationale devrait être débaptisée. Donc, c'est un débat qui est très important, qui aujourd'hui se présente à nous. Nous, la façon dont nous avons essayé de régler cette question-là, ou en tout cas d'y être présent, c'est de privilégier pour nous la pédagogie. Parce que notre point de vue à nous n'est pas de débaptiser ou de déboulonner les statuts coloniales, esclavagistes et racistes. On peut comprendre ce qui peut justifier aujourd'hui que des gens se positionnent là-dessus, mais fondamentalement, c'est la position que nous avons. Débaptiser, c'est effacer l'histoire. C'est un peu comme mettre la poussière sous le tapis, en réalité. Et ce n'est pas parce que les Allemands, ce n'est pas parce qu'on a une tradition française, parce qu'au fond, la contestation des statuts sur l'espace public n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une vieille tradition humaine assez universelle, finalement, des régimes qui se suivent et qui déboulonnent les statuts des régimes qui les ont précédés. Donc, notre position à nous, c'est de dire qu'il faut, il faut préserver l'histoire et préserver cette mémoire-là. Et donc, garder ces statues, garder ces rues telles qu'elles sont aujourd'hui, mais les contextualiser. Les contextualiser. Et d'ailleurs, c'est l'erreur qui a été faite, je crois, sous François Hollande en 2012. La République française a décidé de retirer le mot « race » de la Constitution française, en croyant qu'il suffisait de retirer ce mot de la Constitution française pour régler le problème du racisme systémique endémique qui, lui, il est dans l'imaginaire collectif. Et cet imaginaire, c'est quoi ? C'est le langage. Le langage aujourd'hui est truffé de principes de suprématie et de domination. C'est les noms de rue. C'est aussi les délits de faciès. Donc, pour nous, débaptiser ces monuments, débaptiser ces statues, débaptiser ces rues ne répond pas à cette question principale qui est comment on fait société, comment on fait un récit nouveau d'un héritage que personne ne revendique aujourd'hui. Il y a effectivement, et j'ai entendu tout à l'heure
Sembo et dire qu'on a une extrême droite aujourd'hui en Europe, mais aussi en Amérique, qui revendique ces symboles de la barbarie coloniale esclavagiste. Mais pour autant, la préservation de ces monuments, de ces rues de négriers, de ces statues, comme symbole de ce qui ne doit plus jamais se passer, avec une contextualisation, des panneaux explicatifs, avec des parcours de visites guidées. Depuis, par exemple, 10 ans, nous avons mis en place des visites guidées à Bordeaux, à La Rochelle et au Havre. C'est des visites qui prennent le parti de contextualiser ces traces de l'histoire coloniale, esclavagiste et raciste sur l'espace public, mais aussi de raconter l'histoire du combat contre le colonialisme, contre l'esclavage, contre la traite des Noirs et contre le racisme. Cette mémoire du racisme, elle peut servir aujourd'hui à une société plus résiliente finalement. Et en tout cas, nous, notre point de vue, c'est de dire que ces monuments, ces statues, elles peuvent rester, elles peuvent rester sur l'espace public, mais à condition de les contextualiser, et on peut le faire. Et d'ailleurs, après presque 20 ans de combat à Bordeaux, nous avons réussi cet été, quelque part sous l'influence du mouvement Black Lives Matter, à ce que la ville de Bordeaux pose 5 panneaux explicatifs, 5 sur 5 rues, donc sur les 20 rues de négriers qu'il y a à Bordeaux. 5 de ces rues ont des panneaux explicatifs. C'est une réponse politique pas satisfaisante dans la manière et dans la méthode avec laquelle ces panneaux ont été posés, mais cela démontre bien qu'il est possible, en associant les populations locales également, c'est-à-dire les gens qui habitent dans ces rues, à l'écriture des panneaux explicatifs, il y a une réappropriation possible, et il nous semble un signe beaucoup plus fort de notre conscience des injustices contemporaines. Donc pour nous, cette problématique, elle est importante. La plupart des villes aujourd'hui, à La Rochelle, à Bordeaux et au Havre, les municipalités, et quelque part, il est vrai que ce qui s'est passé avec la mort de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter, cette émotion qui a saisi l'humanité tout entière. Je rejoins tout à l'heure M. Louis Dupont lorsqu'il parlait de l'effet du confinement. Je crois que le confinement a effectivement eu un effet important par le fait du silence que ça a mis sur la conscience universelle quelque part. Le temps s'étant suspendu, la conscience a fait silence, et la mort de George Floyd ce silence a permis à la mort de George Floyd de pouvoir frapper les consciences d'une façon importante, et de voir la jeunesse du monde se soulever, et se soulever en réinterrogeant les symboles du racisme donc sur l'espace public. Mais ces symboles du racisme, ils peuvent être porteurs aujourd'hui d'une société différente si nous ne nous limitons pas ou ne nous suffisons pas seulement à répéter finalement, à être dans un mimétisme vis-à-vis des formes précédentes de contestation. Dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les régimes qui se sont succédés ont pris plaisir à effacer les traces des régimes qui les ont précédés. Nous savons que ça ne règle pas le problème de fond. C'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, on a eu, après la Seconde Guerre mondiale, en France, on a eu tout un processus de dénazification de l'espace public. Tous les collabos des nazis, Pétain, Laval, Daladier, ont été débaptisés. Les rues qu'ils avaient, les monuments qu'ils avaient ont été débaptisés. Pour autant, regardez bien, ça n'a pas pour autant transformé finalement et ça n'a pas remis en cause l'idéologie d'extrême droite raciste. C'est même le contraire finalement. Aujourd'hui, le Front National, l'extrême droite, fait plus de 25%. Donc, quelque part, enlever le symbole de cette histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs et du racisme et de la colonisation, pour nous, n'est pas la solution la plus efficace dans la lutte contre le racisme aujourd'hui. La solution qui nous semble la plus efficace et la plus efficiente serait de contextualiser, de complexifier cette histoire très clairement, de pouvoir, sur l'espace public, indiquer que Colbert a fait le code noir et que la traite des Noirs et l'esclavage a été déclaré crime contre l'humanité. Ça nous semble une façon de sortir par le haut de cette histoire. Je n'ai pas malheureusement fait de préparation et je n'ai pas de photos à vous montrer. Je ne suis pas très doué sur ces formes de conférences,
Mais en tout cas, voilà ce que je voulais très rapidement échanger avec vous sur l'expérience que nous avons de cette question-là et que nous essayons d'y répondre par la pédagogie, par les événements qu'on organise. Là, en ce moment, nous commençons le Black History Month à Bordeaux, qui va se dérouler sur 4 villes, Bordeaux, Bayonne, La Rochelle et Le Havre, donc pour toujours faire la pédagogie de l'importance de se réapproprier ces histoires-là, ces combats-là pour la liberté. Merci beaucoup, Monsieur Karfa Diallo. En guise d'ouverture, et à la lumière pardon, de chacune de vos interventions, la question que l'on peut se poser et que nous posons à l'ensemble de nos différents intervenants, c'est est-ce que l'on doit déboulonner uniquement les statues en lien avec l'histoire coloniale et les statues en lien avec l'esclavage? S'il y a un de nos intervenants qui veut prendre la parole, il peut activer son micro. Je peux dire un mot. Je ne sais pas si je peux répondre à votre question, mais une réaction sur la discussion. Je suis nord-américain, en fait. J'ai travaillé, enseigné aux États-Unis, étudié là-bas. Et c'est assez intéressant d'entendre les intervenants. Tout à l'heure. Le passé, en fait, c'est vrai, George Floyd, ça a amplifié quelque chose qui était déjà en gestation et en discussion et en tension dans plusieurs pays, y compris le Canada d'ailleurs. Mais quand je vous écoute, évidemment, je connais beaucoup plus l'histoire américaine par rapport à tous ces déboulonnages et l'effet amplificateur que cela a donné, et tant mieux de côté. Mais je suis très étranger par rapport au passé colonial français, c'est-à-dire je l'ai appris dans les livres, je le sens beaucoup moins. La présentation tout à l'heure, tous ces bonhommes-là, je les connais très peu. Ça me fait penser à une étude qui avait eu lieu, c'était dans le nord de la France, je demeurais là à un moment donné. C'est une étude, il demandait aux jeunes Français, les collégiens et les lycéens, de demander c'est qui le bonhomme qui est là. Et les lycéens et les collégiens, c'est d'une nouvelle génération, ils ne savaient pas du tout qui c'était ces bonhommes-là, ils n'en avaient rien à faire. Ils mangeaient leur sandwich tout autour, comme ça. Mais je me dis, il y a, tant mieux si ça se rejoint, mais on voit qu'il y a quand même tout ici, c'est. Ici, je veux dire, le forum que l'on a et sur les questions coloniales, c'est très européen de côté. Je dirais les Américains, d'un côté, ils ont leur amnésie eux-mêmes. Et ils sont pris avec un autre genre de système qui est l'effet de tout cela. Et dans leur, c'est dans leur société en plus. Bon, pour la Martinique, c'est dans la société française aussi. Mais ce n'est pas du tout le même débat, quoi, en fait, quelque part. Mais donc, je ne sais pas. Je donne simplement cette réaction. Oui, aux États-Unis, ils veulent déboulonner, évidemment. On a mis des statues dans l'espace américain, dans le Sud surtout, pas après la guerre de sécession ou à la fin de l'esclavage, on les a mis dans la restauration. C'est-à-dire que quand les États du Sud se sont stabilisés et que les Blancs ont repris le pouvoir, ben, ils ont remis, redonné des représentations et du symbolisme à leur redomination. Sur leur espace public et sur l'espace. Et ça a duré 100 ans, c'est vraiment c'est incroyable. Mais ils sont complètement étanches, très peu, sauf les intellectuels dans les universités. Et encore, à la question du passé colonial français, britannique, etc. Sauf que bon, là, il y a un lien. J'ai bien aimé M. Diallo, et c'est vrai, c'était ce qui m'a étonné. C'est pas étonnant d'un autre côté, c'est assez intersectionnel dans la rue américaine, c'était dans la ville. Certainement la pandémie a aidé, mais c'était une nouvelle génération qui. Parce que c'est pas les African Americans contre les blancs africains ou les blancs américains, et il y avait un petit mélange dans la rue qui était très. En tout cas, ça donne beaucoup d'espoir et ça. J'étais un peu plus fier de ça, de voir ça. Mais maintenant, qu'est-ce que ça va donner après? On ne sait rien. Le danger, c'est ce que je crois que je dis. Aux États-Unis, on est radical souvent, et on va éradiquer les statues, et on n'aura plus rien qui va nous rappeler ça, sauf les livres d'histoire.
Donc oui, il faut trouver d'autres formes, certainement. Donc je ne réponds pas à votre question, mais je ne pouvais pas y répondre. Moi j'essaierai de rebondir sur la question qui a été posée. Je crois qu'il y a, une différence à faire quand même. Certains diront que c'est une différence cosmétique, mais je crois que c'est une différence qui est importante entre la traite et l'esclavage, en tout cas pour ce qui est de la France, entre la traite et l'esclavage des Noirs, qui a été qualifié de crime contre l'humanité, c'est-à-dire qu'on a une législation française très clairement qui établit, qui atteste que ce commerce des Noirs au XVIIIe siècle, l'esclavage qui a suivi, constitue un crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'on a une base légale là pour que, c'est vrai, tous les monuments, qu'ils soient des statues ou bien que ce soit des rues qui honorent ces gens-là, puissent être qualifiés finalement de forme d'apologie d'un crime contre l'humanité, pour ce qui est de l'esclavage et de la traite des Noirs. Par contre, pour ce qui est de la colonisation, c'est différent. Vous me demanderez mon point de vue, bien évidemment, pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Mais un crime contre l'humanité, on sait que ça ne se décrète pas par un individu, c'est des lois qui l'attestent et qui le posent. Donc, pour moi, c'est la différence qu'il y a aujourd'hui et sur laquelle je pense qu'il faut faire attention, parce qu'on s'est beaucoup engouffré dans cette question du déboulonnage de statut en mettant tout le monde dans le même sac. Négriers qui ont fait la traite, l'esclavage des Noirs, mais aussi colonisateurs, généraux, commandants, hommes politiques qui ont véhiculé et participé à la propagande coloniale donc à partir du 19e siècle. Donc, je crois que cette différence, elle est importante, et la crispation qu'il peut y avoir et qu'on a sentie chez le président de la République, même si je pense qu'il est complètement passé à côté de l'enjeu de cette question, puisqu'il a été d'un conservatisme assez écœurant vis-à-vis de cette question. Dire on ne déboulonnera pas des statuts pour un homme de 40 ans qui devrait pouvoir indiquer une vision, un sens pour la jeunesse de son pays. À l'inverse, on a Angela Merkel qui, elle, dès le début du mois de janvier, du mois de juin, le 2 juin, donc 4, 5, 6 jours après la mort de George Floyd, prononce le nom de George Floyd, parle du racisme et de son incidence et de son importance. Macron n'a fondamentalement pas compris, mais je pense que les militants aussi, les activistes qui sont sur ces questions, doivent aussi faire la part pour que cette action finalement de réappropriation, cette action de notre récit que nous devons avoir sur notre espace public, cette action soit la plus efficace. Le fait de mettre tout le monde dans le même pot fait que finalement, nous avons beaucoup de gens qui vont être très hostiles à ce combat-là, parce que la question de la colonisation, au fond, et dans la psychologie politique française, c'est la colonisation de l'Algérie. Et la colonisation de l'Algérie, elle est prédominante. Et dans une bonne partie de la population, elle a du mal à la considérer comme ayant été une activité criminelle, une activité de ravalement d'une autre culture, d'une autre civilisation. Donc, pour moi, il y a une différence à faire entre ces deux crimes, finalement. Un crime reconnu par la loi, un crime non encore attesté par la loi, celui de la colonisation, mais fondamentalement dans le traitement politique, dans le traitement pédagogique qu'il faut avoir, il nous faut préserver, il nous faut renouveler notre espace public par notre conscience d'aujourd'hui. Et surtout pas gommer, effacer, comme on l'a fait avec le mot race de la Constitution, en l'enlevant et en le mettant ailleurs. La question de fond, c'est l'espace public, et l'espace public est l'espace le plus démocratique qui soit. Les musées ne sont pas des espaces démocratiques, tout le monde n'y va pas, tout le monde n'a pas l'éducation nécessaire pour aller au musée. Les livres ne sont pas des espaces démocratiques. Par contre, l'espace public est l'espace démocratique en soi. Nous le partageons. Et là, on peut avoir un récit qui soit un récit qui raconte l'histoire telle que nous la savons aujourd'hui. Et pour nous, cela passe par cette pédagogie. D'ailleurs, je ne vais pas monopoliser la parole, mais nous avons à Biarritz, dans le Pays Basque, une histoire qui est une affaire, une sorte de polémique qui a d'ailleurs un tournant judiciaire en ce moment, puisqu'à Biarritz, vous avez un quartier qui s'appelle La Négresse. Le plus grand quartier de Biarritz s'appelle La Négresse, donc ouvertement un nom tiré de l'époque de l'esclavage et de la traite des Noirs. Notre association, depuis presque 2 ans, mène un combat judiciaire. La première partie a été remportée. On va au recours au tribunal administratif pour faire, là pour le coup, débaptiser le quartier, La Négresse de Biarritz,
mais le débaptiser, parce que ce quartier avait un nom basque auparavant, avant que cette femme noire, très rapidement, ce quartier s'appelle la Négresse parce qu'une femme noire d'Haïti a été déportée, hein, puisqu'il y a eu de l'esclavage sur le sol de France, on ne le sait pas assez, on ne le dit pas assez, elle a été déportée à Biarritz, elle a servi dans un bar, et on a commencé à appeler ce quartier la Négresse. Ce quartier avait un nom qui était Arosta, et la Négresse a été institutionnalisée par la municipalité avec des délibérations municipales qui ont enlevé le nom basque pour conserver le nom la Négresse, donc ouvertement raciste. Et nous, ce que nous proposons, c'est que ce quartier reprenne le nom basque qu'il devait avoir. Donc, on peut trouver des solutions, je crois, qui soient des solutions pédagogiques sur lesquelles on peut se retrouver. Peut-être que je peux rebondir sur ça, mais je pense que il y a plusieurs choses. Il y a le côté essayer de faire les choses dans les règles, c'est-à-dire suivre un processus pédagogique avec beaucoup d'années d'expérience. Je pense comme ce que l'association, dont d'ailleurs j'ai suivi pas mal le travail à Bordeaux, enfin vous faites un travail vraiment génial. Et après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a toute une génération, c'est pour ça que je parlais d'organisation tout à l'heure, toute une génération de personnes militants et militantes qui arrivent, ou qui se sont posées des questions pendant longtemps, qui n'ont pas eu accès à tous les outils qui ont été construits par les assos qui bossent dessus depuis des années, ou qui ont eu du mal à les trouver, en fait, et qui, du coup, sont dans un moment où il y a besoin de quelque chose à faire. Il y a besoin de réactions assez fortes. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant de laisser l'hypothèse du déboulonnage possible, parce que, en fait, si certaines personnes arrivent à le faire, pourquoi pas? Mais en fait, le problème, c'est que concrètement, dans les faits, en métropole, il n'y a eu aucun déboulonnage. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi un piège quand on débat trop sur cette thématique, c'est qu'on en vient à faire des positions moralement un peu extrêmes ou des choses, justement, est-ce que c'est effacer l'histoire ou pas, etc. Mais concrètement, il n'y a aucune histoire qui a été effacée, puisqu'il n'y a pas eu de déboulonnage, en tout cas, sur le sol métropolitain. Il y en a eu en Martinique, enfin en tout cas suite à ce qui s'est passé avec George Floyd. Et du coup, je me dis, c'est comme si en fait le déboulonnage, c'est une forme d'hypothèse qui est laissée ouverte et qui laisse le temps aussi aux gens, avec cette espèce de radicalisation des positions, etc., de chercher à plus à voir qu'est-ce qui se passe concrètement, qui a déjà mis en place des choses. Effectivement, il y a l'association de Carfa, Sira Diallo, qui a déjà mis en place des choses à Bordeaux, à Bayonne, à Biarritz, etc. Et il y a d'autres personnes qui vont utiliser d'autres voies. Et pour moi, après, ça c'est ma position, du coup, dans cette espèce d'idée de laisser ouvert les choses, pour moi, c'est pas avec des statuts de type... déjà, il y a une volonté du gouvernement de ne pas expliquer les choses. Il y a eu la statue de marchand qui a été rénovée récemment, sans qu'encore une fois, il n'y ait eu rien qui soit indiqué au niveau de la plaque, pour expliquer qu'elle a déjà été déboulonnée, ni qui était marchand. Ça reste toujours un monument de propagande à la mission marchand. Elle a été rénovée plusieurs fois. La dernière rénovation, c'était pendant le second confinement. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent, il y a des tags réguliers, il y a une volonté, il n'y a rien qui est mis en place pour faire un geste positif. Et pareil pour la statue de Gallieni, elle a été rénovée récemment, sans aucune plaque qui explique qui est Gallieni, ni dans le métro, ni dans les avenues, etc. Et du coup, pour moi, ce truc de mettre des plaques explicatives, ça peut fonctionner, parce que vous avez eu un travail de long terme qui a pris des années et des années à construire. Et après, comment est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va vraiment attendre encore si longtemps pour certains autres espaces, comme par exemple la région parisienne, pour voir venir ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire? Et est-ce que justement la menace, entre guillemets, d'un déboulonnage peut être une pression suffisante pour faire accélérer le processus? Et enfin, pour terminer, j'allais dire justement, oui, parce que vous parliez tout à l'heure de l'Algérie, et justement aucun des... je pense qu'il y a une différence effectivement entre la traite, l'histoire de l'esclavage et l'histoire coloniale. Et souvent, le peuple français, entre guillemets, se concentre sur l'histoire de l'Algérie. Mais aucun des... En tout cas, je ne connais pas de monuments coloniaux qui mettent à l'honneur des héros coloniaux qui ont part avec l'histoire de la colonisation algérienne. C'est tous des gens qui ont part avec d'autres histoires coloniales. Et du coup, pour moi, s'attaquer à ces héros, c'est aussi ouvrir une facette de la colonisation qui décentre de l'Algérie et permet de se dire, en fait, la colonisation, ça a touché énormément d'endroits, etc. Et voilà.
Et effectivement, par contre, je suis d'accord qu'il ne faut pas se focaliser sur le déboulonnage, parce que ça, c'est un vrai problème qui fait qu'on n'arrive pas à voir que c'est une situation beaucoup, enfin, c'est une problématique plus complexe, comme vous disiez tout à l'heure. En fait, il y a la situation, enfin, la question de la colonialité en général, du racisme en général, et c'est pas juste en remplaçant des statuts qu'on va faire changer tout ça. Mais c'est comme un déclencheur, on va dire, de politisation, et ensuite, il faut se renseigner sur qu'est-ce qui est mis en place par les assos. Enfin, je pense, en tout cas, c'est mon point de vue. Merci beaucoup pour vos réponses pour cette question. On va enchaîner du coup sur la pédagogie qui est possible grâce au déboulonnage. Donc, il y a une question dans le chat qui disait « Le déboulonnage est-elle la meilleure porte d'entrée pour que les Français apprennent toute leur histoire coloniale ? Et y a-t-il un moyen pour faire de la pédagogie auprès des ignorants ?» Donc, on peut peut-être se poser la question si, par exemple, mettre ces statues dans un musée et joindre donc l'histoire de chaque statue et de chaque personnage pourrait être un moyen, effectivement, pour une partie des Français de découvrir l'histoire coloniale et donc le passé de ces personnages. Voilà, donc s'il y a un intervenant qui veut prendre la parole sur ce sujet. Peut-être, bon, parce que moi, je vais devoir vous quitter, peut-être rapidement. Pour nous, en tout cas, la muséification de l'histoire du racisme est la meilleure façon d'en tuer toute la dynamique qu'elle porte aujourd'hui. Les musées sont dépassés, très clairement. Ce qu'on amène au musée aujourd'hui, c'est ce qu'on ne veut pas voir en réalité. Je crois qu'il faut que nous puissions être en permanence confrontés au pire que nous portons en nous. Et le fait de conserver ces monuments et de les contester aussi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le point de vue de Somboy, qui est, je pense, extrêmement lucide sur ce qui se passe, le fait de les contester et de continuer à les contester, à demander leur déboulonnage. C'est important que ça existe, puisque, comme il l'a dit, et c'est très juste, il y a une certaine génération qui ne pourra se nourrir de cela pour évoluer dans son cheminement personnel, individuel, intime et politique, que par cette radicalité-là. Et elle est nécessaire et il faut qu'on la tienne. Mais parallèlement, il faut que d'autres acteurs, et je sais qu'il le fait, lui, Somboy, avec ses vidéos, mais que cette pédagogie soit toujours permanente et qu'en même temps, on puisse tenir des positions qui soient des positions peut-être plus radicales. Donc oui, la pédagogie, ben, c'est surtout pas dans les musées. C'est surtout pas dans les musées. Parce que ce sont des cimetières. On aura des cimetières de toutes les horreurs de l'humanité et personne n'ira là-bas. Par contre, tant que c'est dans l'espace public, ce sera quelque chose qu'on ne peut pas nier. Et imaginons dans 2 siècles, 3 siècles où on n'aura plus de musées, plus de livres, comment faire croire que la traite des Noirs et l'esclavage a existé, que des êtres humains l'ont commis, si ce n'est d'avoir leur nom sur l'espace public, mais avec des panneaux explicatifs. Et nous sommes loin d'ailleurs d'avoir réussi quoi que ce soit, puisque dans la méthode qui a été utilisée par les hommes politiques bordelais pour répondre à notre demande, c'est totalement passé à côté, puisque ces panneaux ont été posés en catimini. Il n'y a pas un instant solennel officiel qui a posé ces plaques avec la municipalité. Ces panneaux n'ont pas été bien posés. Donc, il y a encore, je pense, une radicalité nécessaire à avoir sur la mémoire du racisme. Et fondamentalement, et je voulais en finir par là, pour moi, il faut même sortir aujourd'hui de la terminologie mémoire de la traite des Noirs, mémoire de l'esclavage, mémoire de la colonisation. Et tout ça, c'est la mémoire du racisme. Et le racisme, ça parle à tout le monde. La traite des Noirs, l'esclavage et la colonisation, c'est une mise à distance. Dès qu'on parle de ça, les gens croient qu'on parle du passé. Par contre, quand on leur dit la mémoire du racisme, que Gallieni, oui, c'est la mémoire du racisme, puisqu'il a été un agent du racisme, que Balguéry à Bordeaux est un symbole de la mémoire du racisme, oui, les gens peuvent l'entendre. Donc, je pense que dans la façon de nommer aussi les thématiques sur lesquelles on travaille, ben, c'est important parce que ça peut nous aider de pouvoir rallier un plus grand nombre à cette problématique sociale, universitaire. Akele, vous voulez peut-être intervenir ? Oui, mais je voulais savoir à quelle heure on va terminer parce que je ne voudrais pas… je voudrais laisser la parole au public vu que personne n'avait écrit que vous voulez poser à l'oral et vous avez répondu que oui. Donc, à quelle heure on termine ? 20h.
À 20h, d'accord. Non, moi, je pense que encore à nouveau, il faut comprendre déjà qui on veut éduquer à travers ça. Parce que moi, je comme l'impression là, que les personnes qui viennent que des afrodescendantes, etc., elles savent déjà beaucoup de choses hein, et qui les portent inscrites dans leur corps. Donc, moi, je veux bien savoir à qui s'adresse avec tout cet intérêt pour la pédagogie et l'éducation à travers l'espace public. Et après, je voulais aussi dire qu'il faut voir aussi qui éduque qui. Parce qu'il y a un grand problème de colonialité du savoir contemporain et de colonialité du savoir qui n'est pas le colonialisme. Attention, c'est la colonialité qui n'a rien à voir, c'est-à-dire que c'est le présent. Et, et le savoir contemporain, le savoir qui est véhiculé à l'intérieur des espaces considérés légitimes de production de savoir, surtout l'académie, l'université, est un savoir complètement imbibé de colonialité. C'est un savoir qui n'arrive pas à se franchir de sa construction coloniale. Et il est fondé, le savoir qu'on dispense aujourd'hui à l'université, dans la plupart des cas, il est fondé sur un corpus colonial, quoi. Jamais pris en considération, jamais admis hein, et jamais travaillé. Et c'est pour ça qu'il y a un cri à l'alarme de la part des dominantes, bien sûr, qui dit qu'il y a ce mouvement qui va briser la République, etc., simplement parce que certaines personnes qui sont dans les lieux de pouvoir produisent un savoir différent, un savoir qui met en relief à déjà que le savoir est fortement colonial, et puis que deviennent des personnes non blanches, deviennent, oh, regarde, catastrophe, hein, des lieux d'énonciation de quelque chose. Donc les corps non blancs deviennent des corps producteurs du savoir. Et ça, bien sûr, au moment que la quasi des postes à l'université, moi je travaille à la Sorbonne, dans mon UFR de géographie, on est quasi tous des blancs. Et bon, et après, je m'en passe. Mais c'est aussi intéressant que la Sorbonne, considérée le temple du savoir, donne espace à cela, l'observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires, que vous pouvez juste voir l'image et vous comprenez qu'est-ce que c'est la colonialité du savoir, la colonialité du savoir blanche. Et surtout, moi, ça, c'est ce que j'appelle la production d'ignorance, parce que cet observateur hein, de dérives identitaires devrait savoir que ce n'est pas question de décolonialisme, mais ce qu'il critique, c'est la décolonialité. D'accord ? Donc, ils ne savent même pas les paradigmes, les épistèmes des références. Donc, il y a un énorme problème qui va bien au-delà du débouillonnage des statuts. Moi, je trouve que c'est un faux problème, ça. Le problème, c'est que la colonialité est complètement... Ce pays, comme bon, dans tous les pays, hein, mais ici, particulièrement avec cette histoire de l'universalisme, on a des institutions, on a un espace public, on a tout qui est complètement imprégné de colonialité, sans qu'il y ait eu la place pour ce qu'on appelle la réparation. Et les personnes qui viennent de cette mémoire du racisme continuent à demander de la réparation. Peut-être qu'on pourra penser qu'une histoire différente et que la mémoire d'une autre histoire peut être mise en place à travers des réparations. Et aussi, moi, je veux bien qu'on met sur l'espace public, on raconte, on met les plaques avec chacun de ces affreux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que, enfin, ce qu'il a fait lioter au Maroc, c'était, et il a pris de Gallieni, justement, à Madagascar, il a fait l'école là-bas, non, sur la politique des races. Mais bon, moi, je veux bien qu'il y ait ça, mais je veux aussi que dans l'espace public, il y a tous des corps, hein, des personnes qui ont fait une autre histoire. La mémoire des marrons, tous les marrons qui n'ont pas attendu que le blanc gentil élève l'esclavage, mais se sont soustraites à l'esclavage. Enfin, ce n'est pas possible que pour voir des figures de l'histoire différentes, moi, je suis obligée dans mes classes à l'université de jouer, je vous montre, hein, de jouer avec les cartes. D'accord, j'utilise ça comme truc pédagogique et la plupart, on va dire les trois quarts de ces cartes-là
Je ne connais même pas un homme. Je connais des personnes qui ont fait mais des choses incroyables dans tous les pays du monde. Donc, je ne savais rien de chez rien. Vraiment, je vous invite à les regarder. Alors, jusqu'à que moi, je dois m'éduquer et éduquer mes étudiants à travers les cartes que je trouvais par hasard dans une librairie. Alors, vous voyez que pour moi, les termes du problème n'est pas le débouillonnage de ces statuts-là, quoi. Et peut-être pour rebondir aussi sur la question, c'était sur le musée, enfin sur est-ce que c'était, enfin quelle était la meilleure façon pédagogique. Bah, je pense que, en tout cas moi, ce que j'essaie de faire avec les outils que j'ai, c'est des vidéos sur les réseaux. Et il y a beaucoup de gens qui font des choses sur les réseaux actuellement de diffusion d'infos, parce que effectivement, comme disait Raquel, on les apprend difficilement, en tout cas en cours. Ou dans les institutions qui dispensent du savoir. Et du coup, ouais, je pense que il y a plein de manières de faire de la pédagogie aujourd'hui, et les modèles d'éducation sont aussi en plein bouleversement et en pleine réinvention. Et je pense que voilà, les réseaux jouent pour beaucoup, et je pense que voilà, pas hésiter à s'emparer, à faire circuler des choses, mais surtout toujours en checkant ses sources, parce que le problème des réseaux, c'est la bon, je ne vais pas dire la fake news parce que je n'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, c'est le fait de ne pas bien vérifier ses sources. Et je pense que c'est hyper important, surtout quand on est sur ces sujets-là et qu'il y a beaucoup de sources accessibles, de faire gaffe à ce qu'on transporte et à ce qu'on diffuse. Merci. Ah oui. Non, allez-y, monsieur Dupont. Je voulais simplement une réflexion, en nous écoutant tout à l'heure. Moi, je suis nord-américain, comme je disais, nous écoutons, mais est-ce qu'on n'est pas un peu privilégié néanmoins de pouvoir mener ce combat? Si je regarde l'état du monde, à la rigueur, on pourrait dire qu'on est européano-centriste et américano-centriste dans notre débat. On a quand même la liberté de le faire. Hein. Et même si elle est dure, même si c'est un combat, je comprends ma collègue Borghi. Mais on le fait avec différentes formes, des vidéos, on le fait dans une implication locale à Bordeaux, ou locale ou en tout cas française. Mais est-ce qu'on, je ne sais pas, si tu vas dans le monde arabe, il n'a pas le débat. L'espace public, il n'a pas. On n'affiche pas. C'est la répression directe sur l'espace public. En tout cas, Abu Dhabi, Dubaï, etc., il y a le chic qui est là, et il n'y a pas d'espace public sauf les centres commerciaux. Donc, est-ce qu'il y a quand même, en Chine, je ne sais pas, quel est le débat sur l'espace public? Je ne veux pas diminuer ce qu'on est en train de parler, je veux quand même montrer qu'on a cette possibilité d'en débattre, malgré toutes les avancées que l'on a pu faire et tous les retards et tous les personnages qui ont pu être horribles et qui demeurent horribles et qui doivent aider la discussion est superbe ce soir. Moi, je vais vous raconter, tiens, moi je viens du Québec en fait, et j'ai assez rigolé de regarder à Montréal ce qui se passait. Pourquoi? Parce que les Anglos de Montréal s'attaquaient à des statues sur lesquelles les francophones du Québec s'attaquer et poser des bombes dans les années 60, quand j'étais tout petit. C'était assez drôle de voir ça. Donc maintenant, à cause des Américains, ou grâce à les Américains, ils trouvaient qu'ils pouvaient être décolonial eux aussi. Et c'est tout un truc à l'université, évidemment, McGill anglophone. Ils sont très forts sur ça. Ils s'accaparent même du truc. Donc il y a quand même des contradictions aussi là. Et je ne sais pas jusqu'à quel point, mais tant mieux qu'on le mène. Et tant mieux pour le reste du monde qu'on le mène. Mais un certain relativisme que j'aimerais simplement apporter sur ça. Ouais, moi, j'avoue que je ne comprends pas du tout ce genre de remarque, parce que je pense que ça... Enfin, évidemment, il y a des différences, mais comme pour tout dans tous les pays, il y a des différences entre ce qui se passe en Chine et ce qui se passe en Europe, par exemple. Mais pourquoi soulever ce fait qui est totalement évident? Alors que là, la question, c'est en tant qu'Européen, pour le coup, moi, en tant que Français, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les questions de représentation publique dans mon pays? Donc, en fait, bon, j'ai vécu en Chine pendant un an, mais je ne vais pas me permettre de parler sur ce qui se passe en Chine, tout simplement parce que c'est pas, enfin, je ne connais pas suffisamment bien leur culture pour comprendre la complexité de ce qui se joue dans les représentations dans l'espace public, et pareil pour Abu Dhabi. Donc, je ne vais pas aller faire ce genre de comparaison
enfin, qui pour moi est aussi, enfin, je comprends pas. Mais... Je veux simplement dire qu'on peut mener le débat. Ailleurs, il ne se mène pas ce débat. Et puis peut-être qu'il se mènera dans 20 ans, dans 30 ans. Mais pour l'instant, il se mène ici néanmoins. Parce oui, qu'il y a mais des c'est, outils, mais c'est... il y a des moyens. Tout. Mais c'est évident, c'est pour ça qu'on le, c'est pour ça qu'on a la chance de le mener. Mais je vois pas pourquoi le comparer du coup. Enfin, si on a la chance de le mener, faisons-le. Je le compare pas. Je voulais donner un peu une perspective. Est-ce qu'on est aussi au centre de quelque chose parce qu'on a les moyens de le faire? D'autres personnes qui nous écouteraient, qui viennent de ces pays, trouvaient, ils ont pas les moyens de le faire. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, c'est relativisme un petit peu à apporter. C'est tout. Oui, mais je ne comprends pas à quoi ça sert dans le débat, en fait. J'avoue que j'ai du mal à comprendre, là. Ben, ça sert à simplement penser qu'on a la possibilité de le faire et d'autres n'ont pas la possibilité de le faire. Et que, bon, voilà, on est privilégié d'un côté. Excusez-nous, on va devoir laisser la parole à une personne sur le Zoom qui voulait poser une question. Je l'invite à activer son micro et à poser sa question. Merci beaucoup, vous m'entendez? Oui. Ma question, du coup, je vais aller vite, porte sur la question de la complexité des responsabilités, puisque finalement, on a beaucoup mené une division racisée blanc. Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas établir une division noire-non-noire, puisque finalement, les populations arabes, asiatiques, sud-asiatiques, latino-américaines se sont elles-mêmes rendues coupables de la traite négrière et de racisme, encore actuellement. Et donc finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt privilégier la présence de personnes noires dans l'espace public et d'avoir le même débat de complexité sur des personnes racisées non noires qui pourraient elles-mêmes être source d'oppression pour beaucoup de noirs qui ont vécu l'histoire de l'esclavage à travers d'autres espaces que l'Europe. Merci. Je vais peut-être faire une réponse rapide. Je pense que la responsabilité, elle est très complexe et comme on avait dit, comme Louis Dupont l'a dit tout à l'heure, et en fait, il faut vraiment parler de complexité, je pense. Parce que les questions de responsabilité en disant blanc, noir ou non blanc, etc. En fait, par exemple, si c'est l'histoire de la traite négrière, les responsabilités, elles sont partagées. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes noires qui ont collaboré, comme dans tous les conflits. C'est-à-dire, si on prend le nazisme, il y a énormément de personnes françaises qui ont collaboré. Si on prend tout ce qu'on va dire, tous les crimes contre l'humanité, il y a toujours des collaborations... qui viennent de tous les endroits, en fait. Et je pense qu'il faut vraiment penser la complexité des choses. Et aujourd'hui, les descendants des personnes esclavagisées ou les descendants des personnes qui ont subi la colonisation sont aussi à leur niveau. Par exemple, moi, en tant que Français, comme disait Louis, on a une forme de privilège de toute façon d'être européen, par exemple, reproduisent aussi des modes de colonialité. Donc, je pense que, en tout cas, de mon point de vue... il ne faut pas faire la distinction noire et autre, parce que dans le groupe des Noirs, c'est déjà hyper complexe. Et je pense que c'est plutôt la complexité globale qui est... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, plus que d'essayer de forcément l'assigner à un groupe, tout en reconnaissant quand même qu'il existe des privilèges, effectivement, en fonction des groupes aujourd'hui dans la société dans laquelle on est, et que ces privilèges sont hérités de cette époque. Mais... ça ne suffit pas à... Je ne sais pas comment dire, mais je pense qu'il faut garder vraiment la complexité. Eh bien, si on a fini avec cette question, on arrive à la fin de cette conférence. Et donc, juste pour une note un peu plus positive, je voulais vous informer ou vous rappeler que en septembre 2020, on a eu une statue qui a été érigée à Paris dans le 17e arrondissement. Et contrairement à la majorité des statues qu'on trouve donc dans notre espace public, c'est une femme, elle est noire, et elle s'est battue pour la libération des esclaves noirs en Guadeloupe. Et cette statue est donc un hommage à la mulâtresse Solitude, que vous pouvez donc retrouver dans le 17e arrondissement, dans un jardin portant son nom. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette... conférence et merci beaucoup aux intervenants de nous avoir apporté des informations tellement riches. Voilà, retrouvez-nous dans notre prochaine conférence aussi qui aura lieu le lundi prochain sur le thème
entre le tourisme et l'environnement, où on explorera avec différents intervenants les enjeux, stratégies et paradoxes du sujet. Donc, merci de nouveau aux intervenants et à vous qui nous avez suivis depuis le Zoom et Facebook. Au revoir, bonne soirée. Merci pour l'invitation. Merci, Angélique. Merci beaucoup. Merci.